Bonjour à tous, un peu de news. Alors, bah écoutez, moi j'ai toujours de très très bonnes nouvelles parce que en fait, les gens que j'ai en rendez-vous, même si c'est un peu compliqué à la base dans leur vie, ça va vraiment, vraiment aller très vite pour les reconnecter aux énergies divines. Alors, je vous refais une parenthèse parce que je crois qu'on ne le fait jamais assez. Les énergies divines, c'est les énergies qu'on va connecter très, 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 très haut et qu'on va ramener ensuite sur Terre. Donc l'avantage, elles sont pour moi, de ce que je perçois par les visions en fait de la flamme, elles sont capitales parce que elles nous ramènent vraiment dans un très haut potentiel qui nous permet de nous réaliser, du coup réaliser aussi cette mission de flamme jumelle. Ça ramène l'autre aussi dans ce potentiel-là. Du coup, la personne que vous voyez un petit peu décentrée, chafouine, fuyante, bah, elle retrouve en fait du bon sens. Parce qu'elle est protégée, parce qu'elle est éclairée, parce qu'elle est guidée. Et il y a aussi toute une grande protection qui se fait autour du couple. Donc en fait, ça fait une grande, grande bulle. Et une fois qu'on est dedans, bah, le couple, il est vraiment, il est dans son petit cocon, dans son univers, et il peut y s'épanouir sereinement, concrètement, et se réaliser sur Terre. Des fois, il manque cette dimension. C'est pas une dimension toujours facile à aller chercher. Mais vraiment, ce que j'ai vu à travers les soins, je vous en avais déjà parlé la fois dernière, mais c'est encore plus intense parce que c'est des gens qui reconnectent très facilement avec leurs dons, avec certains dons. C'est des gens qui n'ont pas réussi à faire descendre cette énergie-là, qui arrivent maintenant. Le temps est propice, les choses ont été, ça a avancé. Puis ben, c'est ce que je vous dis, à chaque fois, on fait un passage, on fait une brèche. Et puis souvent, on nous autorise là-haut à changer de niveau de vibratoire. Donc du coup, on rentre dans une ère où c'est plus simple. Donc je vous invite à le faire par l'alignement divin, la connexion. J'ai mis plein de vidéos. Tout ce qui est divin, vous le faites. C'est vraiment, vraiment, vraiment vous nourrir de cette énergie-là, vous remplir, vous remplir, vous remplir. On a même vu pendant des soins que même si le jumeau avait des difficultés à être dans cette vibration-là, on fait le soin et en fait, nous, c'est qu'on va pas le mettre de force dans cette énergie-là, c'est juste pas possible. Mais on va tellement nettoyer l'énergie du couple qu'on va retirer tout ce qui est obstacle. Donc souvent, c'est de l'occulte. Il faut dire ce qui est dans cette partie-là, c'est beaucoup d'occulte qui empêche la personne de reconnecter avec son potentiel, sa lumière et son histoire de flamme jumelle. On ne le sait, ils ne le savent pas forcément puisque nous, on va travailler sur l'énergie du couple et une fois qu'elle est libérée, ben, en fait, il n'y a plus de mur entre cette réalité et qui sont, en tout cas un mur beaucoup plus fin ou d'autres, mais pas à ce niveau-là. Et du coup, ils commencent à être imprégnés de cette vibration divine qui va les métamorphoser, tout comme elle nous métamorphose aussi. C'est pour dire qu'on est vraiment dans une avancée, à la fois en termes d'éveil, en termes d'amour, et que ben, du coup, plus il y aura de gens qui le feront, plus il y aura de gens qui se connecteront à cette vibration-là, et plus ce sera simple pour l'ensemble des FJ. Après, bon, je pense que c'est aussi là se joue quelque chose. On est vraiment dans l'ordre de la responsabilité de chacun par rapport à ses croyances, à ses choix. Mais en tout cas, je sais que ceux qui le feront, ils auront cette protection, ils auront cette force pour ce lien. Et ce sera, c'est en tout cas ce que je dis toujours, parce il faut rester humble et honnête. C'est un des chemins, en tout cas, moi, c'est celui qu'on m'a demandé de prendre. Donc, et je vois pas, en plus, c'est ce que je disais à une dame, là. Je disais, bah oui, mais flamme jumelle, c'est couple divin, couple sacré. S'il n'y a pas de divin, il n'y a pas de sacré. Fait comment? Enfin, pour moi, enfin, voilà. Si je fais sous cette forme d'équation-là, c'est très clair. On verra. En attendant, je vois que ça fonctionne super bien pour ceux qui... Bah, juste pour ceux qui le font, quoi, en fait. Hein. Ça donne une force, mais c'est incroyable. Alors, ça donne une force, et en même temps, ça me permet d'aborder mon deuxième point, qui est que dans l'histoire de la flamme jumelle, c'est une sorte de mélange. Je vais vous prendre une très très belle allégorie, c'est la mousse au chocolat. Il y en a un qui est dans l'ancrage et qui ressemble un peu à la sauce au chocolat, bien onctueuse, bien, bien, bien aromatisée. Et il y en a un autre qui est plus dans le canal et qui ressemble au blanc en neige. En fait, on se rend bien compte que des blancs en neige tout seuls, ça marche pas trop, ça manque un peu de saveur. Et la mousse au chocolat, la sauce au chocolat tout seul, c'est
un peu indigeste. Donc en fait, l'histoire de la flamme, c'est vraiment de s'ouvrir à la fois à son canal et à son ancrage pour que ça se mélange à l'intérieur. Et du coup, là, ça fait vraiment un mélange terre-ciel, ciel-terre, corps-âme, âme et corps. Et du coup, vous vous retrouvez vraiment dans une énergie où c'est la votre vibration, elle va changer en fait. Ceux qui sont dans le canal et qui sont un peu aériens, bah, ils vont retrouver le pied sur terre. Et pour eux, vraiment, il y a un gros travail à faire au niveau de l'ancrage, hein, je ne le dirai jamais assez. Et pour ceux qui sont plus dans l'ancrage, il y a vraiment un gros nettoyage pour réintégrer cette partie-là, en fait, du canal. Donc là, c'est pour les deux, c'est la même chose. C'est vraiment travailler sur les mémoires avec Azrael pour qu'il libère toutes les mémoires de peur, de mort violente, d'échec, de souffrance, pour que vous soyez en accord avec ces deux parties-là de votre être. C'est vraiment une unité, déjà, de vous à vous, et symboliquement, elle se fait avec le jumeau. Cette vibration-là, je la vois chez de plus en plus de gens, et elle est de plus en plus facile à obtenir. Pareil, donc vous faites bien ces petits exercices-là, je m'ouvre à mon canal, je m'ouvre à mon ancrage, et vous dites simplement ça, les énergies, elles vont circuler. Vous laissez faire. Pourquoi je vous dis ça? Ben en fait, c'est tout simple en fait, c'est que votre âme elle sait, votre âme elle est assez puissante maintenant, assez éveillée, vous avez beaucoup travaillé sur elle, et en fait souvent c'est le mental qui bloque, ou les fausses représentations qu'on a de nous-mêmes en fait. C'est normal, c'est nouveau, il faut qu'on apprenne. Mais du coup, si vous donnez l'ordre à votre mental de lâcher, de laisser faire, votre âme et votre énergie en fait, elles recirculent comme c'est prévu depuis toujours. C'est pour ça que ça fonctionne, d'accord? C'est un peu ça. Mais si on donne pas l'ordre, le mental, il dit non, mais qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai pas envie de changer parce que tout simplement, je suis bien comme ça. Je ne veux pas abolir les peurs que j'ai à l'intérieur de moi. Lui, il a créé ça comme ça pour vous protéger. Sauf que là, ça protège plus. Ça nous pénalise, en fait. Parce que du coup, ça empêche la fusion. Donc, avec douceur, on lui dit non, laisse-moi faire, tu verras, ce sera autre chose qui va se passer. Donc, des fois, il y a des gens qui me disent mais j'ai tout fait, qu'est-ce que je peux faire encore? Ben, travaillez ça parce que c'est ce mélange-là, en fait, qui crée la bonne dimension, qui crée la bonne vibration et qui fait qu'on se reconnecte avec toutes nos parties et on aide le jumeau à faire la même chose de son côté. Et du coup, des fois, il faut juste un peu de maturité, un petit peu plus de lumière, et c'est ce qui fait que la bonne vibration est arrivée, et là, ça match. Les deux cœurs, les deux âmes, avec le ciel, avec entre vous, avec la terre et tout, on est vraiment dans le bon espace. C'est comme une équation. Je dis ça, je déteste les maths. Mais bon, ça vous donne une idée. Il y a une sorte de recette quand même, il y a une sorte de chemin. Il y a une sorte de qualité vibratoire qu'il faut avoir. Cette qualité vibratoire, ça veut dire, ok, j'ai quand même moins de blessures, j'ai moins de failles, j'ai moins d'ego, je suis capable d'ouvrir et dans un état d'amour pratiquement permanent, voire quasiment permanent, voire permanent. Et donc, je suis enfin assez responsable dans mes énergies pour accueillir ce couple. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire de la flamme, c'est qu'à un moment, on est prêt, parce qu'on ne va pas tout saccager, parce qu'on est prêt à accepter, vous savez quoi? La lumière. En gros, c'est ça. Une lumière aussi intense qui arrive sur une blessure, ça fait mal, on fuit, on part. Donc là, non, c'est tout est apaisé, et en fait, quelque part, il y a un moment, on est en quête, on soif de cet amour, de cette lumière, c'est vraiment devenu vital. Donc on en est là. Un petit point sur ma petite life avec mon jumeau. Donc moi, je vous avais dit que c'est bon, j'avais tout rééquilibré. Ça m'a pas empêché d'être bousculée quand même parce que lui, il avait encore la fin de sa purification à faire. Mais c'est plus comme avant parce qu'en fait, il y a toute une bulle autour de moi, vraiment cette fois-ci, vraiment autour de moi, qui me recentre énormément et la connexion est tellement plus puissante qu'auparavant, que très vite, je suis réalignée, recentrée, et j'ai l'impression que, comme toujours, hein, que dès que je me ressens, lui aussi se ressent. Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est nouveau, je découvre, et franchement, j'adore, c'est une sensation juste incroyable. Alors lui, de son côté, ben, en fait, il a plusieurs missions, et je trouve que ben il arrive à s'y mettre, il est de plus en plus dans le plaisir. Donc il a une mission principale avec les plantes, qui gère de mieux en mieux en fait, et ça se voit hein, dans la matière, c'est de plus en plus beau, efficace.
Et puis, il y a d'autres missions de thérapeute, d'exorciste comme moi, de libérer les âmes. En fait, j'ai l'impression qu'il comprend de mieux en mieux l'importance de le faire pour soi, mais aussi pour les autres. Et j'ai l'impression que c'est plus léger. Donc, il y a plus de plaisir à mettre en place tout ça. Et alors, moi, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est le jour où j'ai accepté toutes mes missions, que j'ai réussi à tout mettre en place, que, effectivement, j'ai réussi. C'était la fin de la fusion pour moi, quoi, en fait. Tout simplement. Donc, on n'attend plus, il arrive à ce stade-là, mais on sent que le couple vraiment se rapproche de plus en plus, qu'on a plus en plus de force, qu'il faut se frayer aussi un chemin, vraiment, ça c'est vraiment vrai, un chemin au milieu du collectif. Nous porte beaucoup, mais là, comme on en avance, ça fait comme ça a fait tous ces derniers mois, c'est que comme on est en avance et qu'on, voilà, en fait, on sent qu'il y a des forces, en fait, tout n'est pas mûr et puis que. On sent qu'il y a certains qui voudraient suivre le passage. Alors, on va faire le passage, mais il faut nous laisser le temps de le faire. Donc, beaucoup de FJ qui sont là. Alors, beaucoup pour aider et beaucoup aussi pour essayer de s'infiltrer. Donc, voilà. Alors, là, on trouve des solutions. On trouve des. Comme on a plus de lumière, toujours pareil, plus de lumière, plus de possibilités, une meilleure visibilité, on trouve des nouvelles options. Et je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de doute. Encore un petit peu de patience. Voilà, je vous ai tout dit pour le moment. Je pense que tout ça est très très bon augure. Ah oui, quand même, l'oreillette, merci là-haut. Des retrouvailles, des gens qui se sont pas vus depuis 18 mois, qui sont en train de reprendre contact. Des couples FJ qui sont ensemble depuis 18 ans, 25 ans, pour qui tout se passe bien. Puis là, ça commence à cafouiller parce que eux, ils ont eu cette connexion au niveau de la vie, au niveau du corps. Maintenant, ils leur font une connexion plus spirituelle, donc ça coince. Ils vivent une purification un peu rapide parce qu'on connaît le chemin et puis ils ont été là pour nous aider, ces gens. Ils sont en train de découvrir une autre partie de leur vie avec un amour encore plus intense. C'est des gens, quand ils parlent de leur couple, ça fait juste rêver. Hein. C'est des gens heureux. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça sur Terre, avec des enfants juste merveilleux, qui sont plutôt faciles à vivre dans la plupart des cas, qui ont eu des qualités de cœur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très 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 chouette. Ouais, ils se disent d'autres choses, oui, n'oubliez pas de faire Auguste Reine assez régulièrement. Ils voient un changement, mais c'est comme s'il fallait encore plus loin en fait, plus approfondir. Donc voilà, tous les messages sont délivrés pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.